Alors, c'est parti, on arrive pas loin du... Ah non, le manoir c'est pas là-bas, c'est là-bas. C'est vrai, j'avais complètement oublié, il faut passer le ponton. On suit l'aventure, hein. On va pas voir le monsieur là-bas, il va rien me dire, je suis sûr. Manoir, allez c'est parti, on va au manoir. J'ai un peu peur parce que je me dis si c'est manoir, il va y avoir sûrement des pièges, donc je regarde un peu partout s'il n'y a pas un fil qui dépasse ou une connerie comme ça. J'aurais bien aimé sécuriser le manoir, mais pour l'instant il n'y a rien, je vois pas de... Voilà. Alors là, résistance à fond celle-là. Ce qui est vraiment cool. Oh la vache, là, le recul. Alors par contre, la vache, elle spawn super fort. Elle a quoi, Sharkness? Mais en tout cas, elle prend pas des dégâts. Pur et simple. Alors j'ai 13 torches, ça va peut-être me porter la poche, je ne sais pas. Alors les zombies c'est assez simple à les battre. Y a pas vraiment de challenge. Ah, par contre les bébés zombies c'est un peu casse-couille. Là il y a un peu plus de challenge. Ouais, quoi que. Quand je dis ça, hein, je les tue facilement. Hein. Vous remarquerez. Oh putain, par contre il y a du challenge. Non, pose une torche. Ah non, là c'est bousillé. Un peu plus de mal à se bousiller, mais assez bousillé. Ah la vache. Ah, ça spawn loin les squelettes, hein. Non, pas les os. Les os, j'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Alors, les flèches, c'est pas mal. C'est pas mal les squelettes parce que ça donne pas mal de flèches. Non. Bon, bah, si, on va rebouffer encore un coup. Alors, le manoir, il a l'air d'être badass, hein, quand vous voyez que. Ok. Putain. Par contre les squelettes hein, en 1.8 c'est dégueulasse. Vous avez vu comment c'est des snipers là? Sniper Elite. Sniper Elite 8. Pour ça je dis la 1.9 c'est mieux. Bon quoi qu'ils sont snipers quand même la 1.9. Mais ce qui est chiant la 1.9 c'est voilà. Coup de déco comme ça. Ça c'est vraiment le truc le plus casse-couille. Alors si je fais ça, et que je fais ça, et que je fais... Oh! Ah la vache! C'est plutôt bien fait! Alors j'aurais bien aimé refermer. Parce que je l'ai pas refermé du coup, mais... Oh la vache! Il m'a fait peur. On voit rien, désolé. Je suis désolé, je vais vous poser quelques torches. L'armée des creepers, l'armée des creepers. On l'a vu. Ah la vache. Dégage. Ah la vache. C'est quoi ces creepers, sérieux quoi? Les mecs. Alors je sais qu'il y a une porte ici. Je ne sais pas si elle s'ouvre. Si elle s'ouvre avec la clé encore une fois ou une connerie comme ça. Non, elle s'ouvre pas celle-là. C'est une porte dissidente. Alors, on va garder la clé sur nous en fait parce que c'est comme ça que après s'il y a une course-poursuite. J'aime pas trop ce que ce manoir me fait encaisser, sérieux quoi. Il y a trop de mobs, la vache. Il y a beaucoup de mobs. Bon, c'est beaucoup de challenge, alors du coup, c'est super. Alors, bien sûr, il y a les fence geeks. On va les reposer si on peut. Ça m'étonnerait. Voilà. Bon, tant pis. Désolé, mais les creepers ont cassé votre décor, les mecs. Ok, on a une armure. On a enfin un truc en plus. Un lingot. Il y en a une armure Thorns. Alors heureusement que j'ai pris celle-là parce qu'elle est quand même plus résistante mine de rien. Bon, Thorns c'est vraiment pas mal pour les squelettes. Comme ça moi ils
Ils s'agressent entre eux. La vache, tu sors de où, toi? Elle sort d'au-dessus, là. Alors, on va pas s'approcher. Alors, il faut soit monter ou soit aller là. On va aller là. Ah, une bibliothèque. J'ai eu raison d'aller là. Alors, je suis désolé, hein, quand je bouffe ou des trucs comme ça ou quand je combat, vous ne voyez plus rien, mais c'est comme ça, c'est le manoir, c'est l'ambiance. Quand je casse des spawners aussi. Alors, le manoir est plutôt classe, il est fait un peu tourner en bourrique. Alors, il y a un squelette ici. Alors, même moi, j'ai du mal à voir. Voilà, j'ai cru que c'était des mobs ici. Wow. Je sais qu'il y en a qui a spawné. Alors, est-ce qu'on peut... Oh la vache, ils ont détruit toutes les armures. C'est bien. Au moins, je suis tranquille. J'ai plein d'armures. Hashtag salaud. Ah oui, on peut les prendre en plus. Bon, on va les remettre. Hein. Monsieur, on va pas vous déshabiller. J'ai quand même pas mal d'armures. Donc, je préfère vous rendre tout ça. C'est des salauds. Hein. Ils mettent ça exprès pour que j'ai peur. Hein. Que je rentre et que je fasse... Oh, un creeper. Alors que pas du tout. Hein? On a une petite araignée en haut là-haut. On va pas la faire chier, on va la laisser en haut, allez. Alors on va prendre ça. Parce que mine de rien, je sens l'agressement d'un creeper au coin d'un tournant. Ça aurait été bâtard qu'ils me mettent un Enderman ou une connerie comme ça. Alors j'aurais bien aimé que dans les coffres il y ait un peu de torches. Parce que j'ai tout posé. Et j'aurais peut-être pas dû, vous voyez quoi. Je m'éloigne un peu de la porte là-bas parce que s'il y a un spawner juste au coin de la porte, il va spawner, donc je préfère ne pas... Voilà, comme là. Oh putain, il faut regarder partout les mecs, c'est un truc de fou. Mais c'est quoi ce manoir? Putain, moi je croyais que c'était mon petit manoir de Dead House, mais pas du tout. Pas du tout. C'est quoi ce manoir ça... Oh, merci. Oh, petit Jésus, merci. Petit Jésus, je ne veux pas mourir. Alors, franchement, on va garder qu'une armure sur nous parce que là, c'est là... Voilà. En plus, il n'y a même pas de bot. Des bots. Alors, on a soit pour monter ici. Alors, on va monter. On va continuer à monter. Alors, je vous pose quelques torches de temps en temps pour éclairer un peu le manoir pour vous. Parce que, comme je vois dans mon écran... ça doit être à peu près la même chose chez vous, même en pire. Donc je préfère... voilà, bon, on va laisser ça là. Hein. On n'a rien à foutre. Sérieux. On a plein d'armure. Ok, il y a un creeper qui a sauté. Il y a un creeper qui a fait Hala Wakba, je l'ai entendu. Alors, heureusement que j'ai un knockback. Je crois que j'ai un knockback sur cette... Non, j'ai pas un knockback. Un knockback aurait été utile, mine de rien. J'ai cru qu'il y avait un spawner, mais il n'y a pas de spawner. Alors, il y a ici qu'on peut aller dans cette pièce. Ça remonte. Et trouver qu'un spawner. Ah, cool, ici c'est éclairé. Enfin, j'essaye de me dépêcher. Les spawners spawnent vachement plus vite que la normale. Hein, pour ceux qui se demandent,
Comment ça se fait qu'il y a une tonne de... Voilà, pousse-moi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il spawn là vachement plus vite que la normale et du coup... ça se voit parce que c'est galère à aller les enlever. Franchement, j'adore. Alors franchement, je vous le cache pas, cette map, je la kiffe. C'est un pur kiff. Je vous le cache pas, pourquoi? Parce que en fait, pour tout vous dire, avant de faire cette vidéo, hier, en finissant la vidéo d'hier, je veux dire, du moins, je faisais le montage et tout, et là je me dis, putain, j'ai trop envie de refaire une vidéo et tout, mais l'ordi tournait à mort, et je me dis, si je fais une vidéo, RT l'ordi, personnellement, il va cramer, machin, il n'en pourra plus. Mais franchement, cette map, c'est un pur kiff. Franchement, je vous le dis franchement, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça, voilà, pour dire, voilà, téléchargez là, essayez là. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez le PC, si, parce que c'est quand même une grosse map, hein. Bon, moi j'ai mis les shaders en plus, donc ça prend encore plus de ressources. Mais franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer, c'est une map à faire. Même si vous m'avez déjà vu faire l'aventure. Hein. C'est une map à faire parce que c'est une map que, en fait, c'est comme un jeu. Si vous voulez, c'est un jeu. Tu dis, ah, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille plus loin. Et vous avez envie de continuer. Et l'histoire, elle est mine de rien attirante. Donc franchement. Voilà, les petits creepers, on s'en bat les steaks parce qu'ils font pas trop de dégâts, les creepers, heureusement. Ah, par contre, ils font des dégâts au niveau de la salle, il faut que je fasse gaffe à ça. Bah, attendez, regardez, hop. Moi, je ne triche pas, j'enlève quelques fence geck et tiens, j'enlève la moitié des bouts. Bon, même si ça me sert à rien, hein, personnellement, hein, je peux juste faire des bâtons. J'aimerais bien trouver un petit coffre de land. Ça serait plutôt bueno pour pouvoir poser tout ce que je peux. Alors bien sûr, on a le truc kit inventory que j'ai laissé pour... Oh. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Du coup, j'ai trop de trucs. Ah ben non, c'est ça. Hop. On va balancer ça, on va balancer ça. Ok, d'accord, c'est qu'il y en avait plein encore au sol. Bonjour! Ok, j'ai réussi à l'avoir. Et voilà pourquoi je vous dis c'est super dangereux parce que... Ouh la vache. Parce que les mobs spawners... Les mobs spawners sont quand même assez violents, ils te font spawner quand même pas mal de monde, de mobs. De mobs, moi. Oh, le bouteille d'eau, sérieux, j'en ai assez. Hein. J'en ai assez, sérieusement. J'en ai même overdose, même les bols, hein, assez, sérieusement. Là, je vais prendre tout ce qui est pantalon, tout comme ça. Je vais voir si je peux pas. Tiens, je vais consommer ça pour me faire de la place. Voilà, hop, on enlève ça. Enfin, j'ai un peu peur de savoir ce qu'il y a en haut. On l'a vu! Ah la vache, là, ils m'ont bien dégommé, ces enfoirés. Oh, oh ça me. Ah sa mère, j'ai plus de vie. Ils m'ont descendu. C'est la première fois que je descends si bas. Mais là je viens de me prendre un creeper de face et un creeper qui m'a sauté dessus en mode salaud. Quel salaud celui-là. Bon voilà, on a fait tout le manoir. Hop, on va laisser ça là. On a fait tout le manoir, tout l'étage du haut. Maintenant on va faire l'extérieur. On va faire la partie 2 en fait, limite. Ah non, il faut encore monter. Oh j'ai pas fini là. Ok, ça va, il y avait qu'un spawner. Ah non, il y a encore. Bonjour. Ok, il y a un squelette là, il m'a pas vu. Non, en fait, il est carrément bloqué. Ah non. Alors, le truc là, il sert à rien. Ça, on va prendre, on prend. Parce qu'en fait, avec ça, on peut faire du papier. C'est pour ça que je le prends. Parce qu'il y en a peut-être qui disent, oh, mais ça te sert à rien non plus. Hein. Mais en fait, si, ça fait du papier. Et on peut les échanger contre machin. Parce qu'on a des tables de craft, hein, vous inquiétez pas. Oh, le. J'aime bien ces spawners là qui sont un peu buggés. Je suis fan.
Alors par contre, je prends la poudre de creeper, c'est super rentable. Bon, aussi, les creepers, t'en prends deux vraiment à bout portant. Tu crèves, hein. Alors, un peu de torche, ça fait du bien, ça va. Ils sont assez généreux au niveau des loots, hein, même si c'est de la merde. Ils sont assez généreux. Parce qu'avec la merde, on peut revendre des trucs et c'est vraiment classe. Hein. Que, au mieux de te laisser galérer et tout. Donc, je trouve ça vraiment classe de leur part. Vraiment sympa. Souvent les maps aventures ils te laissent galérer au niveau bouffe et tout et mais là ils sont assez généreux partout et du coup il y a même niveau bois, bon même si niveau bois on va pas se le cacher, pour l'instant le bois il sert un peu à rien, après il servira peut-être, mais là pour l'instant voilà quoi. Donc ça va, ils sont assez généreux sur ça, il n'y a rien à dire. Bon voilà, on peut aller à la partie 2, j'ai fini la partie 1. On va finir le manoir, et puis dès qu'on a fini le manoir, moi je arrêterai la vidéo là. J'ai encore fait ce loot à la con là. On va garder une épée sur nous. Voilà, on va à la partie 2. Attends. Et ici j'y étais. Ah bah non, j'ai fini. J'ai pas fini le manoir. Il y a un truc à l'étage en haut là. Est-ce que je peux y monter? Mais j'y étais ici. Oui, j'y étais ici. J'ai pas fini le manoir, n'empêche. Il n'y avait pas un autre chemin. Ah. Si, le voilà. Ok. Bien, s'il me semblait qu'il y avait un autre chemin. Mais je ne savais plus où il était vraiment. Et là, je pense que c'est là qu'on va avoir le truc de l'autre truc. Et c'est bien qu'ils l'ont mis là, parce que ici, tu te dis, tu vas pas. En fait, pas du tout. Faut descendre dans les caves. C'est bien qu'ils l'ont mis là, bah sinon, on peut descendre, du moins. Parce que c'est vrai que tu recherches un truc, mais tu le vois pas forcément. Putain, il est où son truc là? La porte, elle peut pas s'ouvrir ici. La clé, je l'ai dit que je l'aurais toujours sur moi. Même si elle ouvre que la porte d'entrée, je pense. Il y a un truc ici, là. Ok, faut sortir du manoir, je pense, et aller fouiller un peu autre part. En fait, c'est tellement grand que je ne sais pas où donner de la tête. On va mettre des torches un peu partout, comme ça, moi, si c'est éclairé, c'est que j'y étais. Alors ici, j'y étais, ça, je le sais. Là-bas, il n'y avait rien. Ah, ici, j'y ai pas été. Bah, c'est normal, c'est fermé. Fuck. En bas, j'y ai pas été. À moins que je suis passé en mode YOLO. Ah, ici, j'y ai pas été. Ah, il dit que j'ai peut-être passé en mode YOLO. Alors, il y a un gros truc là-bas. On va aller ici, plutôt. Bonjour l'araignée. Alors ça c'est bien qu'ils ont mis les spawners là. Au moins ça m'évite des mobs. Ah, vous voyez que j'ai pas été ici. Bon, le truc de lapin, on s'en bat les steaks, hein. Limite on fait ça, vous voyez. Hop, 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 hop. Et encore j'ai pris l'eau, donc voilà. Voilà, on a mangé. Ah mais non, mais change. Alors je ne sais pas c'est quoi que j'ai dessus. Efficacité 2. Voilà, parce que efficacité, ça veut rien dire. Alors bon, bah ici du coup j'y étais. Du coup j'ai fait tout le manoir. On est bien d'accord. Bon, on va refaire retour en arrière encore que j'ai loupé quelque chose encore, mais. J'ai fait tout le manoir, j'ai peut-être pris tous les objets, loupé quelque chose, non? Non.
On va faire tout le tour pour faire l'arrière-cour du manoir en fait. Ah, la porte, faut la fermer. Putain, c'est marqué quoi? Ah non, ouvrir la porte du manoir, on peut pas ouvrir et fermer. Bon, on va passer à côté là. Oh non. Ah non, il n'y a rien. J'aurais cru qu'il y aurait quelque chose. Bon, on va aller dehors. On va essayer de passer, on va essayer de contourner tout ça et on va essayer de passer sur le côté. On n'a pas suivi l'araignée, c'est cool ça. Alors je ne sais pas si c'est un truc vraiment où... Si la porte, elle doit s'ouvrir ici. La porte doit s'ouvrir ici, on est bien d'accord. Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Hein. Il y a peut-être eu un bug au niveau de la redstone, la porte. J'essaierai de leur demander. J'ai peut-être oublié quelque chose, tout simplement. C'est peut-être ma part, ou alors il faut peut-être pas y aller ici. Hein. Mais je ne sais pas. Ils ont peut-être oublié quelque chose au niveau de la redstone, parce que moi, pour moi, il y a un chemin. Et s'il y a un chemin, c'est qu'il y a une suite. Ben, il y a une suite au niveau du manoir. Là près de la plage, il n'y a rien. Là, je suis un peu perdu là. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien. C'est un peu dommage. Hein. Ça aurait peut-être fait un peu aussi lourd au niveau de la redstone s'ils auraient mis des consignes sur le côté. Mais ça aurait été pas mal. Bon, après, ça aurait été lourd au niveau de la redstone. Ça, je vous l'accorde. Il n'y a pas de problème. Et là, c'est marqué ouvrir la porte du manoir. Ouvrir la porte du manoir de... Ouais, c'est juste pour ouvrir la porte, la clé. Hein. Bon, bah écoutez, les mecs, on a fait le manoir. Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'autre. Alors derrière là, je pense que c'est accessible.